Alors, on en était là. Alors, pour ceux qui ont regardé le dernier live, eh ben, il y a eu déménagement de la ferme. Il y avait plein de trucs qui ne collaient pas sur le toit de la ferme. J'ai voulu mettre des poules. J'ai enlevé un bâtiment pour mettre des poules. Il y a quelque chose qui bloquait les autres. Les œufs ne pouvaient pas spawner. Alors ça m'a saoulé. J'ai tout revendu là-haut. Et je suis venu m'installer dans l'autre ferme qu'il y a sur la carte, la ferme des vaches. Pour financer, parce que forcément cette ferme est plus chère que l'autre. J'ai tout vendu là-haut, ici j'ai vendu le BGA, je l'ai remplacé par ce qu'on voit, les moutons, les poules. Et puis voilà, et pour le reste, eh ben, j'avais des cultures à vendre, j'ai tout vendu. Ça m'a permis d'installer, c'était ric-rac, mais financièrement c'est passé. Bon, j'avais changé de grosse batte. La fente. Pas que j'en pouvais plus, c'est une bonne moisse batte, mais elle en chier dans les montées. Ouf. 140 000 euros pour la mettre en 9T, en 10T. Je préférais la vendre tant qu'elle valait encore un peu d'argent. Et en racheter une autre. Problème. J'ai un champ qui est entouré de clôture avec une barrière. Eh ben, elle passe pas dans la barrière. Et là, ben, je sais pas comment faire. Est-ce que... Merde. Ça se passe. Hein. Est-ce que j'essaye avec Giant Editor essayer de voir si j'arrive à virer les clôtures parce que... Là, c'est un peu problématique. Heureusement, il y a le porté charge lourde. Sinon, je sais pas comment j'aurais battu mon champ de colza. Il fallait que je reloue une petite batteuse qui passe dans la barrière et un peu. Les tracteurs ont du mal à passer et que la batterie, il n'a pas fallu qu'elle soit grosse. Ce que je fais, celui-là, je le cultive, c'est qu'il faut de la chaux. Ouais, c'est un coup de charrue parce que de toute façon, je sais pas si je vais replanter ou ressemer derrière, donc dans le doute, ce sera fait. Le champ qui est juste devant nous là, celui-là, donc il est clôturé tout autour. Et dans le bas là-bas il y a une barrière, mais vous verrez quand je vais aller chercher le New Land. Et la barrière c'est du ric-rac ric-rac. Hein. Je pense qu'elle est vraiment bien cette map, mais je sais pas ce qu'il a pris au modeur d'installer des
clôturent les chambres, admettons. Alors qu'ils mettent des barrières aussi petites, je vois pas l'intérêt là. C'est pas mon champ là, je me permets de rouler dans les cultures. Si le voisin vient se plaindre, je lui dirais que c'est pas moi. Alors, regardez où les bandes. Un masque est coincé dans la barrière, toi. Allez, recule. Bon, arrêtez de me gourer de touche, moi. C'est parce que je suis pas sur l'outil, je suis sur la masse, c'est ça.
Je merdouille. Bon, j'ai voulu faire ça pour aller plus vite que l'ouvrier, mais au final, comme je fais n'importe quoi, trois fois moins vite. Alors, ça donne quoi? On reste un petit peu par-ci par-là. Ah, je sais pas si vous voyez la barrière là. Mais que c'est pas grand. Hein. Je m'étais dit que sur cette map, si ça se trouve, il avait... Pardon. Je me dis que le modeur avait peut-être... Vous voyez, l'outil, il passe... au millimètre. Hein. Il est peut-être mis, comme certains mettent sur les maps, un bouton où tu peux enlever les clôtures. Mais non. Tu peux pas les enlever, ni avec l'outil construction, ni avec... certaines avec la tronçonneuse... les enlever, mais là c'est pas le cas. À part Lion Editor, je vois pas comment faire. Comme je suis pas une bête là-dessus, déjà j'arrive pas, j'ai essayé, j'arrive pas à les trouver les clôtures qui m'intéressent. Je trouve bien des clôtures, mais pas forcément celles qui m'intéressent. J'avais dit qu'il fallait que je lui remette de la graisse à ce machin-là. Parce que dans la prochaine fois je m'en servirai et j'en sais. Voilà, graisser le matériel.
ça a de la bonne couleur maintenant que c'est plus. C'est plus le petit Fun qui fait ça. Autant avoir ça de la couleur du tracteur. Style quand même, c'est important. Oh, me dis pas que t'es en train de ravager le tournesol, toi. Ouf, ben je crois qu'il était bien parti, Pépère. Le champ est pas assez grand, faut qu'il aille attaquer à celui du côté. Apparemment, il n'y a pas de dégâts. Ça a l'air d'être bon. Regardez la largeur de la barrière. Comment voulez-vous qu'une mouse batte passe là-dedans?
à l'air, j'avais il y a un peu d'herbe au pied des coutures parce que certains endroits les cultures étaient vraiment à les clôtures. À chaque fois que tu te prends dedans avec la moissemotte, où j'ai débordé un peu en herbe. Mais c'est pas grave, elle s'enlève facilement. Là, forcément, faut absolument faire que je trouve sur Giant Editor comment on fait pour virer ces barrières et ces clôtures là, parce que moi celle-là en tout cas au moins la barrière et puis la clôture c'est vraiment la galère. Faut porter la moissebotte à chaque fois pour rentrer dans le champ. Allez, on va aller prendre la chaux. Il s'est débrouillé.
ça devrait passer, je pense. Elle. Range basse. Ah oui, non, c'est plus bon là. Qu'il avait appris à mon pote là, il avait pas envie de faire le petit bout là ou quoi? C'est déjà vite ça.
Mince. Elle loupe mon coup. Alors, c'est bon pour la chaux. Un endroit là-bas où j'en ai oublié, mais. Quoi, il a peur de me dire que j'en ai oublié. Ah bah oui, forcément qu'il me le disait pas, j'avais coupé le truc moi. Mais bon, ça va aller. Ok. Alors, ça c'est pas à moi. Les animaux. Ils ont. Les vaches, ça va. Les moutons, un peu d'herbe, tranquille. Et les poules, on va leur mettre un peu de. Reste de l'herbe dans la. L'herbe en vrac. Si c'est à moi cette zone là. Ah ouais. On va installer quelque chose là, un bâtiment, je sais pas quoi. Mon avis. Non, je vais charger tous les modes. Donc. S'il manquait quelque chose là. Ouais, ben non. Silos, les deux silos sont trop près. Ce qui se trouve dans celui-là se retrouve aussi dans l'autre. Est-ce que je vais réussir à baigner là? Pas évident. Oh, oh, oh. Ouais, merde, ça marche pas. Bon. C'est pas grave, on va faire ça autrement.
Voilà, maintenant les moutons, si vous avez faim, ben vous sautez la clôture. Non mais... Ça fait un joli tas, 15 000 litres pourtant. 15 000 litres, c'est quoi? C'est 2 balles de pain, 2 balles d'air. Merde, bon, je t'ai pas assez avancé. Vraiment bien ce petit manuscopique là. Franchement, pas le plus puissant, mais marche bien. Alors, j'ai dit quoi? Il en est où mon fen? Ça se termine, très bien. Les poules, elles ont faim.
Les moutons, ça ira. Et les vaches, on a dit. Papa, il sait ok. Et la bouffe, ça passe. Ah bah pile poil. T'as quasi fini toi mon père. Eh bien. Quand même t'as mettre un petit coup là parce que souvent il s'arrête un petit peu avant. Voilà, pour être sûr. Alors, apparemment, il y aurait que là-haut qui ne serait pas passé. Qui m'en aurait laissé. Voilà, là c'est bon, et c'était où? C'était là apparemment. C'est ça. Ok, c'est bien. Terminé. Putain de barrière. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va refaire? Peut-être pas refaire du colza, de la paille, je vais en avoir besoin. Peut-être plutôt faire du blé. Du blé ou de l'orge, je manque de l'orge, j'en fais pas souvent. Peut-être faire ça, oui. On va peut-être faire ça, ok. Mais en attendant, je vais faire une petite pause rapide. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah ouais, je sais pas bien à quoi elle sert cette grande porte là, mais... Pas mal.
c'est pour le lycée et là donc c'est les emplois. D'accord. Alors on va pouvoir venir pailler. Et des barrières toujours aussi grandes. Oh les vaches, on s'éclate. Non, ça n'a rien à manger la cocotte. Là que c'est. Ouais. Elles sont pas du bon côté là, si, si, si. Encore il y a les logettes, là, la paille qui est à côté des logettes, mais. Ok. Ben ça va, toi mon gros père, tranquille. Ouais, là c'est mieux déjà. Ben, la paille est un peu à côté. Ok, ouais, il faudrait essayer de jouer quelle rente pour ouvrir celle-là. Ça c'est quoi? Non, ça on peut fermer. Ouais, donc là on peut pas, il n'y a pas de porte ici, ok. Bon. Ok, ok. Allez, je me fais une petite pause rapide, je reviens tout de suite.
Alors, on en est où? Le lait, c'est pas tout de suite, c'est en janvier. Le colza, c'est en novembre, mais il va falloir que je sème mon orge avant. L'orge, c'est en septembre. Ok. Bon, eh ben on va pouvoir accélérer le temps. Tout le monde a à manger, c'est parfait. Poule au niveau des œufs, encore de la place. Les moutons. Ouais, il y a encore de la place. Ok. Qu'est-ce qu'on a en matériel d'occasion? Pas grand-chose. C'était l'orge en septembre. Ouais, pour l'instant, ça, j'en ai pas trop utilité. Allez, on va semer l'orge. Au final, j'ai passé la charrue pour rien. On a pu réfléchir avant. Mais bon.
pas fait gaffe qu'il avait une petite grue sur le côté. Pour charger les sacs, c'est pratique. Dans l'autre, on va essayer de mettre l'ouvrier machin là. Ah. C'est moi qui n'ai pas baissé. Je suis con quoi.
Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça doit pas être ça qu'il faut faire, hein. Alors, c'est ça que je voulais voir. On va finir le champ d'abord. Non, je peux pas passer par là. On chie ces armes là. Et voilà. Alors, comme ça, les fourrières 12, on fait des 24. Ok. Les retours s'arrêter. Pourrir, on est bon. Le braquage 50%, je sais pas ce que c'est que ça. Précision, on va mettre élevé. Je sais pas ce que c'est. Ok. Alors, on va voir ce que ça donne, ça. Voyons voir s'il est con comme une pelle ou pas. Ouais, tu ralentis bien avant 17 mètres là. Tu vas te taper la barrière si tu continues.
Ok, il est conquis une pelle. Qu'est-ce que t'as pas vu là? C'est dans les réglages que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Ça, je sais pas ce que c'est, on va le enlever. Mettre ça en normal. Ça doit faire ça à peu près. Toujours dans le bon sens, ouais. Allez, fais-nous voir. T'es pas con. Voilà, tu t'emballes là. Fourrière, c'est bien. On va pouvoir se débrouiller là. Si je le mets à faire des demi-tours comme ça, ça fait quoi? Essayez comme ça pour voir. Pas trop tout quand même, exagère là. Au moins 20 mètres. Ah oui. Ça pour toi c'est 17 mètres. Alors c'est pour faire ton demi-tour que tu es obligé de faire comme ça. Peut-être réduire les fourrières. Ah, il m'a mis 31 mètres là. Il m'a mis mieux autant. Parce qu'il n'a pas le choix. Bon, on va le laisser faire, on verra ça plus tard. En attendant, on va aller passer le rouleau.
bien, putain. Trois quarts du temps, j'alloue cette route. Il a l'air de s'en sortir, lui, Pinocchio, là. Bon, plus ça va, plus il nous fait des fourrières longues. Il a du boulot à rattraper ça. Hein. Ça n'a pas l'air si pire, mais c'est là-bas que ça m'inquiète un peu là. Je sais pas ce qu'il est en train de boutiquer en fait. Il part en haut. Il fait ça. Bon. Il prend comme une pelle. Vers l'ancienne méthode. Ça marche beaucoup mieux. Hop.
je vais pas réussir à se mettre dans le coin avec celui-là. Je vais essayer, mais... Ça m'étonnerait. Ah, presque. Bon, ça frotte partout sur les barrières. C'est les conneries de l'autre imbécile. Voilà, je vais le griller comme ça, ça devrait aller. Alors, juste une bande là-haut. Et ça va être tout bon. Allez, c'est tout bon. Alors, on va le mettre en place dans l'autre champ et puis on va arrêter là pour aujourd'hui. Oula. Oh là 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 là. Et Hollande, il envoie toutes les couleurs. Ok, allez, terminé pour moi. Et bien sur ce, à bientôt.